Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la capitale aujourd'hui afin de protester contre la conscription. Il est prévu que le Congrès vote la mise en place de cette nouvelle législation dès la semaine prochaine. Les sondages montrent une forte opposition à la guerre et à ses mesures. Cette incertitude vis-à-vis du conflit ne présage rien de bon pour le président, dont la cote vient de subir une chute sévère. Notre correspondant à Washington a les détails. Les mecs, t'as pas envie de mettre une cassette ? Bienvenue au camp. Venez, entrez. Bienvenue à la maison. Allons, colonel, ne me dites pas que la défense n'a rien à ajouter. Vous n'êtes pas sérieux. Vous serez briefé quand ce sera nécessaire. Mais n'est-ce pas un problème de santé publique? Sans vouloir vous vexer, colonel, votre réponse est inacceptable. C'est la seule réponse que vous aurez. Cet entretien est terminé. Pierce, venez avec moi. Ok, colonel. Mais... j'ai quand même envie de me dégourdir les jambes. Alors, voyons voir. Administration, armurerie, centre de commande, hôpital, tente des officiers, dépôt des véhicules et centre de recherche. Ok, ben on va aller visiter tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le colonel Green vous attend dans sa tente. Je sais. Ah, je peux pas aller. Le colonel Green vous attend dans sa tente. Je sais. Le colonel Green vous attend dans sa tente. Eh bien, je vois que tout le monde est au courant. Armurerie. Desert Dinner. Ah, on peut pas aller. Bon, tant pis. Allons voir le colonel Green. Plus vite, soldat. Par contre, moi, je veux bien faire une interview. Bon. Colonel ? Il y a eu une brèche de sécurité au détachement 3, au centre de thèse des forces de l'air. Les auteurs sont inconnus. Il y a des matériaux importants dans cette base, indispensables à la sécurité nationale. Officiellement, la base est fermée depuis des années. Nous ne savons pas comment ces insurgés, pardon, ces individus, auraient pu le savoir. On a plusieurs options pour cette opération. Premier scénario, on envoie ton unité dans la base pour une frappe chirurgicale. Deuxième scénario, on lance un assaut général. Bien sûr, le Pentagone évalue des mesures plus drastiques. On n'exclut encore aucune option. Qu'est-ce qui vous arrive? On a ordonné aux civils dans un rayon de 100 km de se réunir au camp. La plupart l'ont fait. Mais il reste encore quelques mécontents qui refusent de bouger. La 4e infanterie est allée à Red Shoal, Nevada pour une dernière inspection à 14h00. On a perdu le contact radio avec eux il y a 30 minutes. Je veux que toi et tes hommes alliez à Rachel, que vous établissiez le contact avec eux, que vous évaluiez la situation, et que vous me fassiez un rapport. Les caporaux Ambrose et Grayson sont déjà au rapport. Ils t'attendent dehors. Écoute, Pierce, je n'ai jamais pu exprimer mes condoléances pour Summers. C'était un très bon soldat. Ce n'est jamais facile de perdre un homme. Monsieur, le Pentagone sur la 2. J'arrive de suite. Bonne chance là-bas, Pierce. On compte sur vous. Rompez. Bien compris, colonel. Ça va, les gars? Vous faites quoi? Et t'as un Alienware? Eh ben... je vois qu'on se fait plaisir dans l'armée américaine. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh, Pierce. Quoi? Ça fait un bail. Eh, mec, allez, ça va? Faut se préparer. T'as aimé le briefing du colonel Green, toi? Bla 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 bla, bla 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 bla. Donnez-moi un flingue et puis voilà, merde. Ouais. Devine quoi? Noah est là. Elle revient d'Irak. Ça fait 2 ans et cette nana plante toujours des aiguilles Madame, dans les jambes. Le capitaine Pierce. Et tu sais quoi? C'est toi le prochain. Mais allez, l'infirmerie est par là. J'ai pas envie de la revoir, cette pétasse. Je vous attendais. Venez par ici. Bonjour. Ils peuvent nous entendre. Vite, donnez-moi votre bras. Le colonel Green est soit con, soit complètement fou. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Vous vous souvenez de l'Irak? C'est pour ça qu'on est tous les deux ici. On vous envoie sans...
Écoutez, à Rachel, ne touchez à rien. Et couvrez-vous la peau. Si vous vous sentez étrange, venez me voir. Compris ? Docteur Wise, les données atmosphériques sont arrivées. Nous enregistrons un taux de moisissure de 7000 fois la norme attendue. Vous voulez dire 700 ? Non, madame. J'ai revérifié. Apportez-moi un échantillon. Et mettez un masque. Bien, madame. Ok. Bon. Je peux passer ? Oh ! Poupée ! C'est quoi la suite du programme ? 5799 ! 5800 ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais ? Noam fout les jetons. Pareil. Suivez Grayson jusqu'au dépôt. Des orages. Ça a été comme ça toute la journée. C'est la saison des ouragans dans le Nevada. Réchauffement planétaire, tu parles. Allons faire un petit tour à Rachel. Ok, c'est parti. Quand ce sera terminé, on devrait se casser à Las Vegas. Histoire de se faire des thunes. Ou de voir un match de boxe. Ou de trouver une nana pour Ambrose, tiens. Ouais. Bon, si tu veux, on ira à Las Vegas. Alors, y'a quoi ici ? Salut, mec. Mon Dieu, j'y crois pas. Ils acceptent vraiment n'importe qui ici. Ça va ? Ça va. C'est Sylvie. Elle a 2 ans. Alors, les nouvelles ? Ils disent que c'est une milice qui a pété un plomb. Mais c'est pas. T'en vois pas autant d'hommes pour une bande de ploucs bourrés. Ouais, qui sait. Envie de conduire, Pierce ? Ouais. Je vais devant. C'est moi qui conduis. Allez, montez. Allez, c'est parti. Appuyez sur la barre d'espace. Ok, d'accord. Appuyez sur Z pour accélérer. Oh, oh, oh. Je peux pas tourner. Oh là là, faut tourner avec la souris. Ok, d'accord. Est-ce que je peux sortir du véhicule parce que j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas. Ah bah non, c'est de là que je viens, je suis débile. Allez, je remonte dans le véhicule et c'est parti. Et ça se commande à la souris, oh putain. Oh ! Allez, par là. Unité Echo, le temps est très mauvais en ce moment, beaucoup de pluie. L'autoroute est impraticable. Vous allez probablement devoir faire du tout-terrain. Alors accrochez-vous. Terminé. Hé, hey, Grayson, mets-nous de la zik. Non, ces enfoirés à la radio sont vraiment trop cons. Qu'est-ce qu'il y a? Pour tous ces gens qui disent non à la conscription, j'ai juste une question. Qui va aller se battre sur le terrain, hein? Bon, tu sais ce qu'ils vont dire. Vas-y, change de chaîne, on n'a rien à foutre de tout ça. De la guerre. C'est vrai, pas leur guerre, c'est la nôtre. Différente. La réalité, c'est que la c'était quoi ça? Une cible que nous allons défendre. Oh, 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 oh. Je te le répète, Reed. Je me fais du souci. Les gens pigent pas. Sans une armée forte, nous sommes des cibles faciles. C'est la faute des médias. Leurs commentaires sont complètement déplacés. Absolument. Personne n'a besoin de participer au combat à moins de porter un uniforme. Mais attention, faut le mériter. Est-ce que je peux sortir du véhicule ? Ok. J'ai envie d'aller voir le paysage un petit peu. Ouais. Que de la roche, c'est moche. Allez, on continue. Désolé les gars, j'avais envie de pisser. Le pont est HS. Putain, les routes sont vraiment pourries dans le coin. Ouais, comme les digues de la Nouvelle-Orléans. Ah. Bon, tant pis pour la voie pépère. Essayons la voie militaire. Ouais, un peu de tout terrain. La voie militaire, tu dis? Je crois pas que ce soit par là. Par là peut-être. Ah. J'arrive pas à conduire les mecs, c'est vraiment de la merde. Oh. Ok, d'accord, c'est par ici. Hop là, plus de cactus. On va se faire tous les cactus. C'est qui, ça ? 4e d'infanterie, parlez à la radio avec le colonel. Echo ici Green, négatif. C'est l'hélicoptère qui ? N'est pas des nôtres. Quoi ? Terminé. Ça me dit rien qui vaille, ça, les gars.
Il est où l'hélico? Le sable est bien brillant cette saison. Hop là, le cactus. Ils vont nous massacrer! Putain, on nous tire dessus! J'y crois pas, mec. Les insurgés ont des hélicos américains. Eh merde! Base! Ici Echo! L'hélico appartient aux insurgés! Je répète, les insurgés sont aux commandes! Comment? Echo, vous êtes autorisé à riposter! Ah, merci. On n'avait pas besoin de l'autorisation. On n'est pas débiles. Alors, ils sont où, les insurgés? Ils sont là! Allez, on descend! On y va! Allez, descendez du véhicule! Vous êtes où? Ok. Je pensais que vous étiez dans le véhicule. Désolé. Allez, on continue. Ah, il y a plein d'armes, là. Ouh là 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 là, ça, je veux prendre. J'y vais. Appuyez sur barre espace pour ramasser. Comment ça? On peut faire une pause. Oh! Depuis quand j'ai ça, moi? Attendez, j'arrive pas à ramasser. Oh! Je te suis. Oh putain, non! Désolé les gars, je cherche la touche pour ramasser. C'est pas la barre d'espace. C'est quoi ces conneries, là? Non. Ah. Pour moi, tous ces villageois sont tarés. Ok, c'est la touche W. Fallait le savoir. Et ça, je peux prendre? Ok. Bon, on va dégommer l'hélico. Allez, on remonte. C'est reparti. Vous êtes déprimé? Je vais arranger ça. Tout droit. Et complètement raté, débile. Mais qu'est-ce que tu fous devant? Mais putain, mais qui le con? Et c'est reparti. Oh, pas par là, pas par là. Bon, tout compte fait, on va par là. C'est la même chose. Allez, plus vite. Oh, c'est vraiment de la merde. Hey, c'est qui ça? 4ème d'infanterie? Non. Parlez à la radio avec le colonel. C'est pas nos amis. Echo, on s'en fout. Ici Green. On continue. Négatif. L'hélicoptère n'est pas des nôtres. Terminé. Ils vont nous massacrer! J'y crois on pas, continue, mais... on s'en fout. Les insurgés ont des hélicos américains. Quelle merde! Basse! Ici Echo! L'hélico appartient aux insurgés. Je répète, les insurgés sont aux commandes. Echo, vous êtes autorisé à riposter. Allez, courage. Voilà. Et voilà. Oh merde, merde, c'était des potes. Fais chier. Désolé, les gars. Bon. Alors, il est où? Ah, mais quelle connerie. Allez, on remonte dans la voiture. Voilà, il est là. Hop, touche W. Ça marche une fois sur deux. Voilà. Et je vais prendre autre chose. Et on y retourne. Ah, attendez, attendez, attendez. Du coup, je n'ai plus ma mitrailleuse. Et ça, c'est pas cool. Je comprends rien. Apparemment, on peut prendre que deux armes en même temps. Bon, bah j'ai perdu ma mitrailleuse. Tant pis. On se casse. Alors attention, l'hélico il est juste là. On se planque. Et voilà. Et on n'en parle plus. Cible éliminée. Il s'écrase. Allez, on remonte. On se casse. On se casse. C'était plus tard. Et toi, tu restes à l'arrière. Espèce de glandu, voilà. Allez. Mais merde! Qui c'est qui m'a refilé une fourgonnette pareille? Je vois qu'il y a des munitions là. Alors c'est quoi ça? Voilà. Des munitions pour le lance-roquette. Et c'est parti. Là aussi il y a des munitions.
Ah, mitrailleuse. Et voilà, c'est mieux comme ça. Et c'est reparti. Bon, on va où là? Par là? Non, pas par là. C'est pas la milice, ça. Regarde un peu. C'est quoi, tu crois? Non. Je sais pas. Du moment que c'est mort et moi non, ça me suffit. Allez, on devrait continuer. Moi je veux bien, mais par où? Oh putain! Attention! Quoi encore? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ces trucs? On dirait des cafards croisés avec des cochons! Bon, on en a déjà vu en Irak! Tu t'en souviens pas? Ah bah non, t'étais pas avec nous. Allez, on les écrase, on en a rien à foutre. Ah bah non, mauvaise idée. Très mauvaise idée. On recule et on se les fait. Et encore ? Apparemment non. Allez, cours, Pierce ! Allez, on continue. Pas de temps à perdre. Dès qu'on les voit, on sort du véhicule, on les dégomme. C'est quoi ça là-bas? Attention, hey, on est encerclé. C'est ça la prise. Super. Des mines ambulantes. Oh la vache! On a eu de la chance. Je suis coincé! Non, on continue, on se casse d'ici! Pas le temps de jouer avec ces bestioles. Attendez, parce que j'ai vu un truc là-haut. J'ai un cadeau pour toi! Ok, d'accord. Et c'est reparti! C'est pas la milice, ça. Regarde un peu. C'est quoi, tu crois? Je sais pas. Du moment que c'est mort et moi non, ça me suffit. Allez, on devrait continuer. Tu l'as mis en pièce! Quoi encore? Mais c'est quoi ces trucs? On dirait des cafards croisés avec des cochons! Ouais, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Allez, on continue. Allez, les pierres! Comme c'est vraiment de la merde. Ah, son corps là. J'ai une autre coup d'avance sur toi, mon pote. Ah, je vais peut-être pas passer par là. J'avais pas vu le passage tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ouh, il y a encore des bébêtes. Tu l'as eu. Et merde. Livraison spéciale. Attendez, je reviens. Ah. Ou je refasse le tour, mais putain, bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Appuie sur espace pour rentrer. Ok, d'accord. Non! Ils sont où? Ils sont plus là. C'est un peu n'importe quoi, hein, ce passage. Attention, il y en a ici, je m'en souviens. Oh putain! Hey, elles explosent, ces saloperies! Super! Des mines ambulantes! Oh! On se casse! Préparez-vous à sortir. Là! Ciao! Merde! Fait pour lui. Attendez, je suis tout seul là. Ah non. Ah. On va en arrière. Hop. Et on va chercher le dossier là, je sais pas quoi. Putain! Ah, c'est vraiment de la merde ces phases. Alors, par là.
Par là. Putain, mais ça veut pas passer là, sans déconner. Mais comment j'ai fait tout à l'heure? Ok, d'accord, j'ai compris. C'est par là. Attention de ne pas tomber. Non! Wow! Oh putain! J'étais sûr d'avoir fait autrement tout à l'heure. Allez, on recommence. Mais putain, mais... Et hop là. Non. Voilà. Pas tombé surtout. Et voilà. Allez, on continue. Non. C'est éliminé. C'est bon. En voiture. Je crois qu'on va sortir là. Pété, pété. Cible en plus. Tu l'as eu. Et voilà. Aux abris. Ça. Mais, putain. Comment je fais pour remonter? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis obligé de passer par ici pour remonter dans mon véhicule. Ok, d'accord. Et les gars, vous pouvez pas faire quelque chose? Bien reçu. Et voilà. Et ils m'attendent. Bande de cons. Attention, ça sent pas bon ici. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bien fait pour lui. À couvert. Affirmatif. Encore avec tes grenades? Oh, c'est pas par ici. Par là. C'est vraiment pas une bonne journée pour le Nevada. Tu l'as dit. Sans bec, ouais. Par ici, peut-être. On continue, pas de problème. Oh, 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 ça sent pas bon, là. Des dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, c'était juste pour des dossiers, apparemment. On retourne en arrière. J'espère que c'est plus très long parce que ça commence déjà à me faire chier cette petite balade. C'est totalement injouable. Fonce dans le panneau, Rachel. Désolé, Rachel. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'on a raté une autre fête. Ouais. Ouvrez le portail du poste de garde. C'est déjà ouvert, apparemment. Je vais peut-être me poster une mitrailleuse. Ah. Un petit pépi. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux utiliser ces mitrailleuses? Ouais. Mais ça sert à rien. On redescend. Je peux pas passer par là. Allez, vas-y, fais péter la porte. Affirmatif. La porte est bloquée, faut l'ouvrir. Sans deck. C'est quoi ça là-bas? Quelque chose sur la route. Quoi? Une grosse bestiole. Pire, ça la tourelle.
Ça a plutôt l'air d'un alien, ça. Allez! Il y en a d'autres! J'ai un cadeau pour toi! Dans le vide! Ok. Ça. T'as pas intérêt à mourir en bronze. Grenade. Oh putain, tu l'as pas vu lui. Allez, Pierce. A plus, bâtard. Yeah, baril explosif. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu fais une petite danse avec moi? Oh, putain. Mon Dieu, je me suis pas engagé pour ça, moi. Mais si. Tu appartiens à l'armée, souviens-toi. Voyons cette porte. Au moins, on a des flingues. C'est quoi ce bordel? C'est un dossier. J'ai l'impression d'être venu en Irak. Carrément. Le colonel Green t'a parlé de ces saletés de bestioles, Pierce? Non, certainement pas. L'armée ne sait jamais ce qui se passe. C'est moi qui conduis? Alors arrête-le. Ok, ok. Allez, on repart là. Et t'as intérêt à viser juste. Sinon, c'est moi qui prends ta place. Parce que j'en ai un peu marre de conduire, je t'avoue. Attention le pont. Accrochez-vous. Tire sur le panneau, là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Sécurité nationale. On dirait qu'il y a eu un accident. Quelqu'un s'est mangé la rambarde. Faut qu'on fasse le tour. Faut qu'on fasse le tour. Ok, d'accord, on fait le tour. Hop! T'as vu ça? Je commence à voir la main. Alors, faire le tour, ça veut dire quoi? Faire le tour par où? Par là? Non. Par là, peut-être. Non plus. Quoi? Grayson est touché! Tu l'as eu! Hey mec, qu'est-ce que tu fais? Grenade! Où ça? Hey, réveille-toi! Ne laissez pas s'approcher! Oh putain! Je suis tout seul là. Allez les gars, on continue. Soyez pas déprimés comme ça! On va par où il faut passer là? Tuons-les! Attention! Tu l'as eu! Ok, allez on continue! Putain de mur invisible! Allez, c'est parti. On continue à pied. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, par où on va là? Qu'est-ce qui se passe? J'entends de drôles de bruit. C'est pas humain. Quoi? Et voilà. Allons-y! Encore un de ces foutus dragons. Et on n'en parle plus. Ces soi-disant déformations génétiques. Mon cul! Tiens, Midway. Studio Austin. C'est apparemment très reconnu dans le Nevada. Hop, grenade! Grenade! C'est ce que je viens de dire. Et merde, je lance à côté. Et voilà! Qu'est-ce que c'est que ces choses? Oh putain! Encore un véhicule! On commence où? Oh putain! Bon, on se retrouve beaucoup plus loin. On dirait qu'il y a eu un accident. Si je me prends pas une balle, je me prends des vacances. Et nous voilà de retour devant les trois affreux. Et de un. Excellent, oh putain! Attention! Grenade.
Il est où l'autre? Putain, je le vois pas. Ok, il est déjà mort. Autant pour moi. TEMPS. Bon. Oh putain! Ils sont là! Cible verrouillée! Il a son grenade! Attention ce truc là! Putain! Et voilà! Ça devrait être bon! Je recharge, couvre-moi! Et le dernier! C'est de l'histoire ancienne. Oh putain non! Ah putain, j'ai plus de munitions! Et voilà! Allez les gars, on y va! Arrêtez de déprimer! C'est quand même mieux que tout à l'heure! Alors, c'est quoi la suite? Oh putain! Attention aux petites bouboules, on tire bien dessus, on s'en débarrasse. Grenade! Tu l'as abattu! Et ouais, t'as vu ça? Bon, par contre, on peut toujours pas courir. Et voilà. Fais dodo. Fais dodo. Alors je prends des munitions. Et voilà, ça fait du bien. Et on continue. Alors il y a quoi là-bas devant? RS. Allez, sortez de terre. Je vous attends. Quoique, non, restez sous terre. Encore des petites bestioles. Je commence un peu à m'emmerder, là. C'est bon, on arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Coco, t'as l'air plus gros que les autres, toi. Oh putain, il n'est pas tout seul. Il est mort, c'est bon. On se débarrasse de cette petite chose et on continue. Je vois que vous êtes motivés, ça fait plaisir. Non! Putain! On passe par où là? Par là? Ah, un nouveau véhicule! Allez, tous dedans! Je vous emmène faire une petite balade. Alors, on continue par là. Voilà ce que j'appelle une bouillie d'insectes. Tout à fait. Fais-toi plaisir. Little Alien. 2 miles to go. Eh bien, allons-y. Ah, apparemment, la fin du voyage. Ah ben non. J'ai rien dit.
Et nous voilà au fameux Alien, Little Alien, Bar Motel. Alors, il y a quoi ici? Merde, il fait chaud ici. Parlons au proprio et reprenons la route. Les affaires n'ont pas l'air de marcher fort pour ce type. Il ne nous en voudra pas si on passe par sa station-service. On peut passer par la fenêtre aussi. Hé hé, t'as vu? RS! Coucou les aliens. Oups. Allez, ouvre la porte. Regarde un peu du fond là-haut. Y'en a d'autres! Grenade! Et voilà! Alors par où je passe? Oh putain! Ok, d'accord, c'est l'invasion, c'est la fête, on y va! Là-bas! Abattons-le! Je dois recharger! Putain, j'ai plus de munitions! Ok, d'accord. Grenade! Et voilà! On fait le ménage. Par ici. Oh putain! T'étais derrière moi, toi. T'en as plus? On continue. Allez, fais péter la porte. Dépêche! Pas que ça à foutre. Affirmatif. Évidemment que c'est affirmatif. Vous êtes de l'armée? D'après toi, hein? N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ici? C'est ici que j'habite, fiston! C'est ma station-service! Et ces types me la mettent en pièces! J'étais un marine, moi. De 85 à 89. Et voilà. Allez, patriote. Ah, je suis coincé. Allez, je prends tes petits joujoux. Vous allez vous occuper de ce bordel? Ouais, t'inquiète, on est là pour ça. Négatif, l'ami. Ce pays est en train de se faire attaquer. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Je l'ai entendu sur les ondes courtes. Ils ont traversé la frontière, il y a trois nuits. Des sections entières. Des bataillons, même. J'en ai vu trois ce matin. Armés jusqu'aux dents. Ils sont passés par ici ce matin. En formation. Ils ont buté tout le monde. Margaret, Bobby, tout le monde. Je savais que ça nous tomberait dessus. Relax, mec, t'as dû te cogner la tête. Tout faux, l'ami. Je dis la vérité. Je descends dans la cave et j'en ressors pas de la semaine. Arrête de chouiner. Fais gaffe. La voie est libre. Allez. J'ai jamais piloté un tank. Je vais ouvrir le garage. Vous pouvez sortir votre caisse et couper jusqu'à l'autoroute. Ok. C'est par où? Par là? Ok, d'accord. Merci pour le véhicule. En même temps, c'est à nous, ça. J'en ai marre de conduire, le mec. Qu'est-ce que je fais? Je passe par là. J'adore ce flingue. Il m'a pas quitté en Irak. C'est du bon matos américain, ça. Désolé de te casser ton trip, mais ils sont fabriqués en Chine. Quoi? Mais ouais, c'est ça. Fous-moi. Alors, y'a quoi là au bout? Y'a rien du tout. Je sais même pas si c'est par là que je dois aller. Je me bats la tête dans mon véhicule. Coalition de volontaires. Apparemment, je suis sur le bon chemin. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est ça? Coco. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh! C'était quoi? Même pas eu le temps de voir ce que c'était.
Yeeha! C'est grand le Nevada. Qu'est-ce qu'on se fait chier? On pète tout, on en a rien à foutre. Faites un détour par la station de pesage. La station de pesage, je te dis. Le vieux avait raison. Quoi? C'est qui ceux-là? Il est mort. Grosse erreur, mon pote. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oh putain! Tu l'as eu, Pierce. Ouais, et je crois que je vais prendre leur arme. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. On dirait un portal gun. Alors, voyons voir. Je vais le remplacer. Hop. Ouh, ça a l'air sympa ce petit joujou. Je te donne l'ordre d'aller pisser. Allez, vas-y. Fais gaffe. C'est peut-être piégé. Hey! Hey! Enderos. Cabrones. Regarde son uniforme, Pierce. Attention! Allez, vous faire voir. Delta. Cabrones! Au négatif. Ça n'a aucun sens. Il a dû les prendre à un type de la 4ème infanterie. Je sais pas. Ça m'a l'air américain. Je comprends rien. Moi non plus. Allons-y. Allons-y. Neutraliser l'embuscade de la milice. Bon, bah je vais avoir l'occasion de tester mon nouveau jouet. Préparez-vous! Milice en vue! Ils sont où? On les repousse! Putain, je les vois pas, là-bas. On fonce! Wow! Tu veux te battre? Je recharge! Un plus pour Ambrose! Là, tu sais que ça fait mal! À qui le tour? Et voilà! Et maintenant, on enclenche ça! Et voilà! Allez, grouille! Ah, laisse-moi passer! Mais putain! Vous m'avez coincé, bande de débiles. Alors on fait quoi maintenant? Par là? Pas par là. Bon. Bah, on continue. On va rechercher le véhicule et on continue. Putain, il est loin en plus! Allez, plus vite! Et c'est reparti! Ta 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 ta! Oh merde! Désolé! Il y a quoi par là? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On s'en fout. Quoi? Ok. Vous pouvez pas conduire? Non, apparemment non. Dommage. Parce que j'aime pas conduire. Je trouve ça chiant. Aider la 4ème infanterie, neutraliser les forces hostiles. Où sont-elles? Cible en vue! Je riposte! Ils sont venus par là! T'es mort! Et là, on n'a pas assez de munitions pour tenir cette position! Bon, je vais arrêter de faire jouer avec ça. Ils suivent des ordres! Ils ont une radio! Le reste des hommes est un red shot! Oh putain! Voilà, attention! On voit rien du tout!
putain. Il est mort, chef. Protégez-moi. Ouais. Allez, pas de conneries cette fois-ci. Ils sont venus par là. On va y aller tout doucement. Voilà. Première cible. Ils suivent des hommes. Ils ont une radio. Le reste des hommes est à Redshull. Ils sont mal en point. La grenade qui explose en plein vol, c'est magnifique. Ennemis repérés, mais dis-moi où, parce que je les vois pas, moi. Ouvrez le feu. Oh putain, non. N'importe quoi. Allez, on nettoie tout, c'est la fête. Ah là 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 là. Il y en a combien? Tout a l'air plus dangereux que les autres. Les moralement déchaînés. Et toi, tu sers à quoi toi là-bas? C'est bon? On peut avancer maintenant. Qu'est-ce que c'est chiant. Allez, je ramasse toutes les armes. Je suis pressé de rentrer à la Nouvelle-Orléans. Ouais, bah pareil. Oh, un véhicule qui nous attend à chaque fois, c'est magnifique. C'est quoi ce délire? Milice? Mon cul, ouais. On dirait que la 4ème infanterie aurait besoin de secours. S'il en reste encore. Allons à Redshull, les gars. On est encore loin de Redshull. Cible d'opportunité. C'est quoi ça? Happy Mistress. Frayez-vous un chemin pour traverser la zone de l'accident. Pas un accident industriel. Encore ? Pierce, jetons un œil à l'Ardor Pool. On pourrait peut-être passer par là. Ok, d'accord. On fait le tour, comme tout à l'heure. Wow ! Regarde l'épave ! Éclatée ! Eh, hey, c'est du sérieux. Il y a peut-être des blessés. Qui? Personne. Tu vas pas t'inquiéter pour des passagers invisibles. Tu sais, Grayson, il y a des fois où t'es vraiment con. Désolé. Allez, on continue à pied. Invisible aussi ou quoi? Fais chier, merde. Quoi? Tu l'as eu. Nouvelle cible. Oh, 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 oh. Grenade! Cible éliminée! J'ai mis ça! Le chat, ouvre-moi! Ennemi repéré! J'ai un canon pour toi! Joli! Et voilà! C'est bon? Putain, il y en a beaucoup! J'ai soif. Affirmatif. Par où on va? Par là? Non! Arrêtez de me suivre, bande de boulets. On va rentrer ici. Ah. Toilette. Coucou.
me demande bien ce que fait ma fiancée. Non, pas par ici apparemment. Ah, par là. Ça m'a l'air d'être le bon endroit. Point de contrôle. Attention ! Quoi ? Je riposte ! Soyez prudent. On dirait qu'il pille le train. Pas comme moi. Je me demande bien pourquoi. Allons voir ça. Par ici. Alors c'est par où ? C'est par là ? Non, c'est pas par là. Putain, comment on fait pour passer ? Ici peut-être ? Non. Par où ? Je suis coincé. Et ces deux abrutis ne veulent pas me dire où il faut aller. Ah, pas par là. Qu'est-ce que ces conneries ? Laissez-moi passer ! Ah. Par ici, peut-être ? Non. Avec la musique épique ! Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Laissez-moi sortir de ces... Putain, mais faut faire quoi, là ? Ah, me dis pas qu'il faut passer par là, quoi. Coco ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Non, mais pas de grenade ! Oh, mais quel boulet ! Putain ! Apparemment, c'est par ici qu'il faut continuer. T'es où ? Comment ça me chauffait, ceux-là ? Ouais, j'ai vu. Il est mort. Je crois que je vais prendre une autre arme. Voyons voir. Je riposte. Tu l'as eu. Ah d'accord, je peux la recharger. Cible éliminée. Wow. J'ai hâte d'essayer ça sur un ennemi. Oh putain, encore un véhicule qui nous attend. Si ça, c'est pas de la chance. Ah, c'est reparti. Par ici, peut-être. Bon, bah, on continue.